par chance, on est au bon endroit parce que bah, le soleil tape sur la face de la bonne façon et on vit quelque chose d'intense, et ben, c'est capturé de base. Et on peut le faire partager cette émotion à ses friends. Nous, on avait envie de reproduire ce côté réalisation, faire ses vidéos comme on veut, avoir son angle de vue. C'est à ça, pour moi, que sert le système de share et de replay. Donc pouvoir reproduire et bien sûr pouvoir le partager à ses copains. On peut prouver par les images, en fait. Ça vaut beaucoup plus que n'importe quel discours. Donc là, on envoie la ligne et c'est parti. Donc on va pouvoir faire découvrir de nouvelles lignes, de nouveaux endroits, des points d'intérêt. Donc si je suis arrivé à un endroit qui me paraît super cool, j'ai juste à partager mon ride avec mon pote et il va pouvoir revoir la façon dont moi je l'ai vécu. Donc si tu regardes ton replay, tu vas voir tous les gens que tu as croisés et tu vas pouvoir les suivre en partie sur leur descente à eux. Donc du coup, si vous avez fait des cascades, si vous êtes rentré dedans, s'il y en a un qui s'est vautré, que tu te souviens qu'il est passé à côté de toi en faisant des roulés-boulés, et bah, ça te permet de revoir ces moments-là qui étaient très cool. Je me rappelle quand on a activé enfin le partage de challenge, c'était assez compliqué à travailler derrière. Une bonne partie de la prod a commencé à faire des challenges, à se partager. Certaines personnes étaient meilleures que d'autres. Le lendemain, à la pause café ou quoi, personne qui venait nous voir, il est quand même salement dur ton challenge là. Ou alors je me casse les dents dessus, ou alors voilà. Ou alors, il était peut-être pas assez difficile celui-là quand même.